une chance inouïe de rencontrer cette information. Moi aussi, j'ai passé de longues années avant de vraiment retourner. C'est tellement simple, mais aussi fallait-il que juste que je dispose de l'information. Et pourtant, je sais si j'ai vécu des sacrées expériences d'unité, dont une en 98 qui a bouleversé ma vie pendant plusieurs 6 mois, 1 an. Donc une expérience d'éveil étonnante, extraordinaire. Mais une fois, lorsque l'expérience, disons, a perdu en intensité, et le mental a repris le dessus, a interprété l'expérience, mais j'avais pas d'informations à propos du retournement. Il a fallu que je tombe sur le livre de Nisargadatta, et à l'aide de mon maître vivant, Frédéric Moreau, que je retourne vraiment l'attention vers moi-même. L'information, elle est quand même très précieuse. Ouais. Sinon, c'est vrai qu'on peut passer des années à pratiquer, à faire plein de choses sympathiques qui nous mettent momentanément dans des états de joie, de paix. Mais on va toujours dépendre d'une pratique, et bon, c'est sympathique, mais on ne va pas reconnaître vraiment que notre vraie nature est là, à tout instant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu avais pratiqué dans quel... Parce que tu disais pratiquer l'Advaita, mm-hmm. Vedanta. Oui. C'est au sein de Shivananda. Donc, je suis allée la première fois dans un ashram en Inde, chez Shivananda. Donc là, j'ai découvert les écritures de Shivananda. Ensuite, comme je me suis trouvée à Paris, j'ai commencé à faire des cours de yoga et puis j'ai décidé aussi de faire la formation de prof. Mm-hmm. Mais parallèlement à ça, pendant 6 ans, j'ai plus de télé, j'ai dévoré tous les livres spirituels qui tombaient sous les yeux, donc ça va de Yogananda, jusqu'à Sri Yukteswar, Sri Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharishi, Krishnamurti. Donc j'ai lu multiples, je me suis nourrie avec ça, ça m'a passionnée. Et après, j'ai découvert aussi des gens en France, par exemple comme Frédéric Lenoir, ou même Patrick Burensteinas, qui a écrit un livre sur le Graal. Je perds le nom. On en a parlé. Un alchimiste. On a parlé d'un alchimiste, non? L'alchimisme, l'or. Avec, ah oui, mais je ne suis pas spécialiste du tout. Non, mais lui, il a écrit un livre. Ah, sur l'alchimie, d'accord. Oui, en fait, lui, il a trouvé le Graal, la pierre. Philosophale. Vous l'avez lu, le livre? Ouais, extraordinaire. Donc il a fait cette expérience quand il a mangé cette pierre qu'il a fabriquée lui-même. Il est parti sur les plages, sur les coquillages, c'était tout un truc. Et quand il a mangé, il a eu l'expérience complète de l'unité. Donc maintenant aussi, il donne plein de conférences. Donc pour trouver l'unité, il faut manger une pierre qu'on a sur lui. Ça devient compliqué, je veux dire. La pierre philosophale. Donc ça, c'est encore une autre approche, mais tout est intéressant. Oui. Parce que quand on lit toutes ces expériences, mais ça se recoupe avec tout le reste. Donc après, l'expérience, c'est la même partout. Évidemment. C'est-à-dire que, bien sûr qu'elle s'exprime au travers de cultures différentes, d'époques différentes, de langages différents, d'idiosyncrasies différentes. Mais il est évident, surtout quand on vit l'expérience, que c'est la même. Oui. C'est la même partout. Donc la vérité, c'est ça. La vérité est une. Et d'ailleurs, la non-dualité, cette unité, elle s'est exprimée à plein d'époques et dans plein de cultures différentes. Oui, hein, on le trouve chez les soufis. Soufis. Voilà, c'est magnifique. Extraordinaire. On a des poètes comme Halaj, des philosophes réalisés comme Ibn Arabi, le poète Rumi, ouais. Son maître Shams. On a
on trouve ça dans, bon, dans le bouddhisme non-duel, dans le Dzogchen. Oui. Certains bouddhismes non-duels. On trouve ça dans le Chan, dans le Zen. On le trouve chez les mystiques chrétiens, chez Maître Eckhart. On le retrouve partout. Je dirais même au départ, le message des religions monothéistes, c'est certainement la racine, c'est cette expérience d'unité faite par quelqu'un. C'est pour ça qu'on peut retrouver des perles non-duelles dans les évangiles, notamment dans l'évangile apocryphe de saint Thomas, qui est vraiment alors, 100% non-duel, que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. Donc c'est philosophe. Oui, chez les philosophes, chez Spinoza, chez Socrate. On a aussi ce pressentiment chez Nietzsche, chez les déconstructivistes, Husserl, après Heidegger aussi, la recherche de l'être. Chez des poètes aussi, des poètes qui ont exprimé ça de façon extraordinaire. J'ai oublié le nom de mes poètes préférés, le portugais contemporain 20e siècle. Mais en tout cas, c'est la même expérience, et elle est simple, l'expérience. Je crois que ce qui nous sépare de cette expérience, paradoxalement, c'est les histoires qu'on a racontées autour de cette expérience. On a fait des histoires extraordinaires à propos de Jésus, de Bouddha, de maître machin, de maître truc. Et du coup, on a l'impression que si, pour vivre cette expérience, on doit entrer par le chat de l'aiguille, de la vie de Bouddha, ou de la vie du Christ, ou de la vie de Ramakrishna, ou de la vie de Nisargadatta, ou alors encore plus difficile, Ramana Maharshi, puisque ça c'est une expérience quand même extraordinaire et particulière que de servir l'âge de 16 ans et d'aller en silence pendant 10 ans. Donc si on va par là, c'est mort, quoi. C'est pas pour nous l'éveil. Donc on a l'impression que c'est quelque chose de très compliqué, d'inaccessible, quoi. C'est pour ça qu'on est chercheur. C'est pour ça qu'on est chercheur, oui. Mais c'est d'une simplicité effarante. C'est la plus grande difficulté de la reconnaissance de notre vraie nature, c'est sa simplicité. Et je dirais que... Alors, il y a toutes sortes de voies différentes, mais... L'essentiel qui recouvre toutes ces voies, c'est l'invitation au retournement de la conscience. Ça, on le retrouve partout. Sinon, ce n'est pas pour moi une spiritualité authentique. Si vous ne pouvez pas retourner l'attention à 180 degrés et découvrir que vous êtes le trésor que vous cherchez, alors on est dans quelque chose de pas authentique, de pas vraiment authentique, et où la réalisation n'est pas possible, parce qu'elle ne sera jamais là-bas, elle sera toujours ici, la révélation.